Bon, je sais que vous êtes friand de petits détails hein, sur cette voiture. Vous voyez ici, on a une caméra, une petite caméra qui permet de filmer l'intérieur de la voiture. Et pourquoi filmer l'intérieur de la voiture? Bah, c'est pas pour vous, en fait, c'est quand votre voiture, vous la prêtez à quelqu'un ou à votre voiturier, et bien vous pouvez regarder ce qu'il fait dans la voiture. Il y a un mode voiturier qui permet de traquer ce qu'est en train de faire votre voiturier dans la voiture. Bon, c'est pas mal. Deuxième petit truc, moi que je trouve sympa, il n'y a pas de poignet. Et ouais, tout simplement. Parce qu'en fait, les poignets, c'est des boutons. Voilà. C'est ça, c'est le futur. Hein. Les poignées extérieures, eh ben, c'est des poignées design. Et à l'intérieur, c'est des boutons. Welcome chez Tesla, les amis. Et puis, bien sûr, vous avez une pléthore de caméras. Vous voyez juste ici, hop, une caméra. À l'avant, des caméras. Ici, des caméras. Le but de ces caméras, bien entendu, c'est sur la route. Abuser d'aide à la conduite, voire des pilotages autonomes. Oui, oui, oui. Parce que la Tesla, c'est sûrement la voiture la plus avancée en pilotage autonome aujourd'hui. Allez, on va s'intéresser au côté high-tech de la Model 3. Il y a beaucoup à dire parce que c'est une voiture qui se veut avant tout high-tech. Bah oui, c'est une voiture californienne. Elle est faite en Silicon Valley par une pléthore d'ingénieurs. Et donc, tout a été conçu pour être regroupé sur cet écran. Alors, c'est très simple. Ici, vous allez avoir la partie conduite de votre voiture. Vous allez avoir la vitesse quand vous roulez, bien entendu. Vous voyez différentes commandes. Je peux ouvrir le coffre à l'avant. Je peux ouvrir ma petite trappe à l'arrière. Ici, je peux avoir accès à pas mal de choses. Vous voyez, dont l'arrière de ma voiture, donc je peux voir une caméra de ce qui se passe derrière. Je peux voir l'autonomie restante de ma voiture, notamment le prix de mes supercharges si jamais je suis allé sur les superchargeurs. Mes courants de recharge, toutes les informations. Je peux également avoir la commande vocale de la voiture si jamais je veux lui demander certaines choses. Et on peut également hop, consulter ici et plein de données différentes. Donc concrètement, sur la petite voiture ici, vous avez toutes les préférences de votre voiture. Donc, comment on règle les rétros, comment on règle le volant, l'éclairage, le verrouillage, l'affichage. Vraiment, il y a même un mode nettoyage d'écran qui se met en noir, parce que c'est vrai que cet écran prend beaucoup les traces de doigts. C'est normal, hein, c'est avec celui qu'on commande toute la voiture. Les fonctions de conduite, oui, pour mettre notamment l'accélération en mode sport ou en confort. La direction, le freinage récupérateur, celui qui soit fort ou plutôt bas. En revanche, les suspensions ne sont pas pilotées sur cette Model 3, contrairement à la Model S. Néanmoins, le réglage est excellent. Moi, je trouve un bon compromis entre confort et surtout dynamisme. On a un centre de gravité qui est très bas, des liaisons au sol qui sont suffisamment rigides pour que la voiture ne pompe pas et soit plutôt dynamique à conduire. Et d'autres petites fonctions, bien sûr, hein, dont la partie entretien qui permet de faire certaines choses soi-même. Et puis le logiciel qui permet de mettre à jour sa voiture, parce que comme vous le voyez, il y a des mises à jour comme sur votre iPhone, en fait, tout simplement. L'ami Tesla va se mettre à jour pour la question de sécurité, mais aussi et surtout pour sortir de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est cool. Donc ici, vous avez le deuxième onglet, c'est votre musique. Il faut savoir que Spotify offre un an de Tesla offre un an de Spotify Premium, excusez-moi, ce qui permet donc d'avoir de la musique en illimité. Bien entendu, vous pouvez faire venir la musique de votre smartphone, que ce soit en Bluetooth ou en USB. Vous avez ici pas mal de petites fonctionnalités. Donc, on peut voir, donc toujours la charge, comme tout à l'heure. On peut également retrouver son agenda, les flux d'énergie, notamment votre historique sur, voyez, hop, votre dernier trajet. Donc, moi, sur 50 km, j'ai fait 167 kWh de moyenne. Une autonomie encore prévisionnelle de 343 km, qui est encore pas mal, parce que j'ai déjà fait à peu près 200 km. Vous voyez, on va monter à 550 environ. Mais ça, on y reviendra plus tard. On peut voir, bien sûr, un navigateur web. Donc, si j'ai envie d'aller sur Internet pendant que, tout simplement, ma voiture se charge, j'ai juste à refresh ici ma page, et puis je vais terminer sur mon site préféré pour lire mes actualités, en l'occurrence, bah bien sûr, c'est le nôtre, pour lire tous nos essais, voir nos vidéos, et c'est accessible. Donc ça, c'est top, je trouve. On peut avoir accès à d'autres fonctions, dont les caméras, on peut appeler quelqu'un, on a un coffre à jeu, et ça on verra plus tard quand on chargera la voiture, on peut jouer à pas mal de choses sur la Tesla, c'est vraiment un petit gadget à ce niveau-là. Sur l'écran, se commande aussi également les sièges chauffants. Hop. Ici, se commande la clim. Et si je veux lancer la clim, j'ai juste besoin d'appuyer ici, auto, et ça se lance automatiquement. Ensuite, les flux d'air vont se régler au doigt, vous voyez. Si je veux que ce soit en haut, je mets en haut. Si je veux que ce soit en bas, à gauche, à droite. On peut vraiment régler sa climatisation comme on veut au doigt. Alors, ça demande un petit temps d'adaptation au début parce que c'est assez déroutant de tout régler sur un écran tactile. Mais sincèrement, c'est hyper sympa à manier. Et surtout, c'est très très intuitif. Cette interface, elle est extrêmement bien pensée. On passe pas des heures à chercher les choses. Et moi, j'adhère à 100%. Ici, les commandes de désembuage, bien entendu, le réglage du volume. Et donc, sur la deuxième partie, le gros de la voiture, hop, qui s'occupe du GPS. Le GPS qui est géré par Google Maps, qui permet pendant un an aussi gratuitement, et après la souscription d'un pack, offrira des vues satellites. Donc, pour avoir vraiment le satellite sur votre grand écran, c'est très très joli. Hop, vous voyez juste ici, vous pouvez zoomer.
et c'est très fluide. Ça se retrouve où c'est grâce à la puce 4G et au GPS. Et cette interface est extrêmement fluide. Vraiment, il n'y a pas de latence. C'est un écran qui est aussi réactif que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur vos iPads ou vos iPhones, par exemple. Et puis, on a de l'infotrafic, vous voyez, si vous voulez vous balader, voir un peu où ça se trouve. Il y a aussi les superchargeurs qui apparaissent sur la carte. Ça, c'est très bien pour voir. Mettons votre superchargeur, vous voyez, s'il est libre, les frais d'occupation, y aller directement. Et puis, les différents services qu'il y a sur votre superchargeur si vous avez besoin de charger votre voiture. Donc, c'est vraiment complet hein, à ce niveau-là. Et heureusement, et ça, on en reparlera dans une autre partie de la vidéo, mais en gros, ça c'est votre meilleur ami, parce que c'est ce qui vous dit où vous arrêtez, quand repartir. C'est vraiment votre assistant plus qu'un GPS en tant que tel. Donc voilà le petit tour global de cet écran, donc qui concentre toutes les fonctions de la voiture, puisque comme vous avez dû le voir, il n'y a pas d'autre écran nulle part. Hein. J'ai pas d'écran ici, j'ai pas d'affichage tête et haute, il n'y a pas d'écran pour le passager juste ici. Et le volant, hop, il a rien, il a juste les boutons pour régulateur de vitesse. Les boutons pour le volume, là j'ai clignotant et lave-glace, et ici mon sélecteur de mode de vitesse et de régulateur de vitesse. Devant tout se règle ici, donc ça demande un tout petit temps d'adaptation au début, c'est vrai, ça je vais pas vous mentir. Quand on vient d'une voiture près normale, il faut s'habituer au début avec sa Tesla, mais au bout de 48 heures sincèrement, on trouve que ça c'est la vie, honnêtement. Le futur c'est maintenant avec la Model 3 et ce système multimédia exceptionnel. Alors vous avez ici donc l'application Tesla, qui est absolument complète, hein, vous voyez, on a en haut son niveau de charge, donc qui nous dit qu'il faut continuer 5 minutes de charge pour pouvoir continuer notre trajet, donc là la voiture a déjà 47% d'autonomie. On a différentes fonctions, vous voyez, je peux ouvrir le coffre à l'avant, déverrouiller ma voiture, lancer la climatisation si je veux que ma voiture soit une certaine température, vous voyez, au moment où je vais la reprendre, donc ça c'est vraiment pas mal, notamment l'été quand il fait très chaud ou l'hiver quand il fait très froid. On voit en direct sa recharge, la liste des superchargeurs. Hop, on peut planifier un entretien avec Tesla qui pourra venir jusque chez vous pour entretenir votre voiture. On peut voir la position actuelle de la voiture. Puis on peut faire pas mal de petites choses. On peut notamment klaxonner. Regardez, hop. Voilà, j'ai lancé un petit coup de klaxon. On peut clignoter, donc si on retrouve pas sa voiture dans la nuit. Ouvrir les coffres, bien entendu. Activer les modes voituriers, les modes sentinelles. C'est des modes de surveillance particuliers de la voiture qui désactivent beaucoup de choses pour pas que les gens aient accès à votre contenu d'automobile. Et puis voilà, donc cette activation de la voiture sur le téléphone se fait à l'achat grâce à un compte Tesla, et en l'occurrence on n'a pas de clé. En fait vous avez une petite carte qui permet de déverrouiller la voiture et de verrouiller certaines fonctions, mais vous n'avez pas de clé en tant que telle. Donc votre clé c'est votre iPhone ou votre Android qui vous permet ensuite de tout faire avec votre Tesla, notamment la démarrer et puis bien sûr oui, lors des charges pouvoir vérifier absolument tout. Donc ça c'est super intéressant. Bon, une fois qu'on a pris notre petit café, on retourne dans la Tesla, on se met un peu de clim à 20 degrés, on suit la charge de sa voiture, donc là si je veux en rester jusqu'au bout, il me restera 2h15 de charge, et ma voiture est à 77% d'autonomie. Ici je peux voir hein, l'avancement donc de mon chargeur à destination, vous voyez avec mon état de la batterie juste ici, et tous les paramètres de charge. Donc en attendant, moi je vais m'occuper un petit peu, je vais aller sur mon site préféré d'actualité de voiture en l'occurrence. Puis je vais lire le dernier article. Je peux aussi regarder la vidéo si j'ai envie de regarder la vidéo, hein, bien entendu. Oui, c'est un navigateur internet comme vous connaissez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez également accéder à d'autres fonctionnalités comme le coffre à jeu. Et le coffre à jeu, c'est le coffre des merveilles qui vous permet d'activer pas mal de petites fonctionnalités très marrantes. Dont, moi j'aime bien celle-là, le feu de cheminée. Imaginez, il fait froid, vous mettez le chauffage dans votre Tesla. Pour vous accompagner, ce super feu de cheminée qui allume en même temps les sièges chauffants. Donc bon, c'est l'été, c'est forcément l'endroit le plus à même de le faire. Donc vous voyez ici, un petit feu de bois, de la musique qui va se lancer, de la musique cocooning, et puis les sièges chauffants. Ambiance, relax, pendant que sa voiture se recharge. Sympa hein, ce feu de bois derrière, vous entendez? Vous avez la musique qui se lance. Autre petite fonction sympa, si jamais vous voulez, hop, Spotify. Vous avez toutes vos playlists Spotify sur votre écran, et juste ici, pour vraiment sélectionner celle que vous voulez, donc avec votre bibliothèque, vos playlists recommandées, plutôt pas mal. Hop, tiens, j'ai un peu chaud, je vais changer la clim, nickel. On peut voir la caméra et on peut jouer à Arcade. Et ça, c'est le dernier bijou de Tesla à bord de ses voitures, Arcade.
ce qui vous permet de jouer à des jeux. Et oui, les amis, vous pouvez jouer à des jeux dans votre Tesla, bien entendu, quand vous êtes à l'arrêt. Parce qu'il y a une petite subtilité, en fait, c'est que ces jeux, vous savez quoi, ils fonctionnent avec le volant et puis les deux pédales de votre voiture. C'est exceptionnel. Mais regardez, Beach Buggy Racing, qui est un jeu un peu à type Mario Kart, a été adapté pour la Tesla. Et vous allez pouvoir jouer, hop, avec votre voiture. Regardez. C'est parti, on va jouer. Allez. J'accélère avec mes pédales, je tourne avec mon volant. On s'est dur à une main. Parce que je vous filme en même temps. Mais c'est juste exceptionnel. Et ça fait très très bizarre hein, d'appuyer sur sa pédale d'accélérateur pour accélérer, sa pédale de frein pour freiner dans un jeu. Alors qu'on est à l'arrêt dans sa voiture. C'est unique. C'est la seule voiture du marché où vous allez pouvoir faire ça. Mais en l'occurrence, Tesla l'a fait. Et il y a une petite fonctionnalité plutôt pas mal aussi qui va arriver. C'est Netflix. Et ouais, vous allez prochainement pouvoir regarder Netflix à bord de votre Tesla. Vous vous allongez sur vos petits fauteuils, juste ici. Une petite ambiance cocooning. Et puis vous vous matez une série Netflix. C'est aussi ça, le temps de prendre son temps à bord d'une Tesla. Et moi, je suis fan de cette philosophie où on consacre un vrai temps à des pauses qui durent entre une demi-heure et deux heures en fonction du type de chargeur que vous avez et du besoin en termes de recharge de votre voiture.